Dans le nouveau magazine de Point de Vue, publié ce mercredi 18 janvier 2023, nos confrères sont revenus sur les mémoires du prince Harry. L'occasion d'évoquer les révélations embarrassantes de ce dernier au sujet de la famille royale, mais en particulier du roi Charles III. Depuis le 10 janvier 2023, le monde entier tremble. Et en particulier les membres de la famille royale britannique. La raison? La publication, à l'international, des mémoires du prince Harry, baptisé en français Le Suppléant. Un ouvrage très attendu et redouté qui retrace la vie du prince de sa naissance jusqu'au mégot. Depuis la diffusion officielle de quelques extraits, de nombreuses révélations voient le jour sur la toile. Le prince Harry décrit son frère, le prince William, comme colérique et manipulateur, mais évoque également sa belle-sœur, Kate Middleton, sur sa relation avec Meghan Markle. Mais le fils cadet de Lady Diana est loin d'avoir épargné son père, le roi Charles III, et son épouse, Camilla, contrairement à ses grands-parents, Elisabeth II et le prince Philippe, qu'il n'a pas évoqué. En effet, le prince Harry a révélé, dans ses mémoires, que son frère et lui avaient demandé à Charles III de ne pas épouser Camilla. Des révélations fracassantes, comparées à d'autres, auxquelles on ne s'attendait pas. Un réveil inattendu pour le roi Charles III, des confessions sur les membres de la famille royale britannique? Elles sont nombreuses dans l'ouvrage Le Suppléant. Dans le magazine hebdomadaire Point de Vue, publié ce mercredi 18 janvier 2023, ces derniers ont évoqué l'une des révélations du prince, au sujet du roi Charles III. Un secret bien gardé, qui a pu en faire rire quelques-uns, Charles ne lui tiendra-t-il pas à rigueur d'avoir écrit qu'il ne se sépare jamais de Teddy, l'ours en peluche qu'il chérit depuis l'enfance, lit-on dans un premier temps. Avant de préciser, ou encore qu'il fait tous les matins le poirier en sous-vêtements pour tenter de soulager son éternel mal de dos. Peut-on lire dans l'extrait de Point de Vue datant du mercredi 18 janvier. Après tout, chacun met en place des habitudes différentes pour pouvoir rester en bonne santé. Une chose est sûre, le silence est de marbre au sein de la monarchie britannique. Et ce dernier devrait sans aucun doute rester comme tel encore un bon bout de temps.